Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau produit. C'est un support sur pied spécial pour smartphone et pour iPad, vos tablettes et toutes les machines qui sont adaptées, qui vont jusqu'à 15 pouces. Donc déjà pour commencer, on va déballer le carton. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une fiche d'utilisation comme ça. Vous voyez les niveaux du support. Il y a trois niveaux exactement. Il est en métal noir et il est adaptable. Donc au niveau de la hauteur, vous pouvez mettre le nombre de métal que vous voulez. Il y a le col de cygne et il y a l'adaptateur pour le téléphone. Ça, c'est le support qui est extensible jusqu'à 15 pouces. Donc idéal pour autant les tablettes, les iPads et les smartphones. Là, il y a le pied qui va porter tout ça et il fait environ 1 kilo 600 à peu près. Il y a une mousse qu'il faut coller en dessous pour que ça ne bouge plus et que ce soit bien fixe par terre. Il est comme ça. On va le coller tout de suite. J'enlève le film qui est dessus et je vais poser le pied en métal au-dessus. C'est une machine qui est très intéressante, comme pour ceux qui font des vidéos régulièrement. C'est pour avoir les mains libres quand vous filmez. Moi, j'en ai vraiment besoin car je fais souvent des présentations sur mon plan de travail et comme c'est assez haut, il me fallait un support comme ça, un trépied discret qui prend pas beaucoup de place et qui est assez haut. Donc la hauteur, elle monte jusqu'à 1,45 m. Donc c'est très bien. On va dire que ça reste au niveau de vos épaules. Là, on va mettre aussi le col de cygne tout de suite sur le support. On va le visser correctement. Et ce qui est bien, ça c'est flexible. On va ajouter le premier tube en métal sur le support. Et après, on ajoute la hauteur qu'on veut. Là, on aura juste à visser le col de cygne qui est amovible. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne par terre jusqu'au niveau du plan de travail. Ça, c'est le premier niveau. Et quand on va ajouter les deux là, vous allez voir, ça va monter jusqu'à 1,45 m. Ça s'ajuste très facilement. Et ce qui est bien, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Parce que le support qui est par terre, il est bien lourd. Il est fixe. J'ajoute aussi le deuxième. J'accorde le tout et tout à la fin, je vais mettre le col de cygne qui est flexible. Voilà, tout est vissé. Il me reste plus que ça et c'est fait. Voilà, regardez comment c'est flexible. Et c'est vraiment au niveau du plan de travail. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc, il est à 8 euros au magasin Jiffy. Vous l'avez aussi sur le site de Amazon, mais certainement pas au prix-là. Mais je vous laisserai quand même un lien du produit. Il est à 30 euros et quelques. Là, je vous montre avec la tablette. Ça donne ça. Et il est adaptable jusqu'à 15 pouces 7. Même mon chat, il est intrigué. Il se dit, c'est quoi la perche là avec un écran au-dessus? Ensuite, je vais aussi vous montrer ce que ça donne avec un smartphone. Il suffit de le mettre fixé là où il y a le support. Comme ça. Mettez-le un peu en biais pour pouvoir filmer pour que la caméra ne dérange pas. Voilà, je vous montre. Là, moi, mon téléphone, c'est un S21. Et ça donne ça. Vous pouvez filmer en horizontal ou bien en vertical. Moi, pour YouTube, je filme en général en vertical comme ça. Et quand je veux faire des shorts, des reels sur Instagram, je filme en horizontal. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, je l'ai monté en 5 minutes. Et il est discret, il ne traînera pas trop dans les pattes. Je trouve que c'est un produit indispensable pour les YouTubeurs. Donc voilà les amis, je vous ai présenté mon nouveau support à pied. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien du produit, je le mettrai en bas de la vidéo, en description pour ceux qui sont intéressés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.